Bonsoir à tous. J'avais deux choses importantes à dire. Voilà, je voulais savoir combien de personnes sourdes aveugles étaient présentes dans la manifestation. Si vous pouviez vous lever la main, qu'on puisse savoir combien vous êtes. Ils agitent leur drapeau, certains agitent leur canne. Et je voudrais savoir. Voilà, l'objectif aujourd'hui de cette manifestation, c'est de pouvoir exprimer notre volonté de que tout soit accessible en langue des signes pour nous, de montrer que la communauté sourde signante fait partie de la société, que également les sourds aveugles et les sourds-uchères doivent être présents, participer à cette demande et demander aussi qu'on rende accessibles les choses pour eux, montrer qu'il y a des besoins. Se battre pour cette accessibilité. On a le droit à cette accessibilité. Il est important qu'on nous la. Aujourd'hui, on nous la donne. On nous le donne. Il est important pour que les personnes sourdes, aveugles et sourdes-uchères puissent s'intégrer, qu'elles aient accès à toutes ces fonctions, qu'elles aient accès à toutes ces informations. Aujourd'hui les représentants d'associations présents. Combien y a-t-il de décideurs, de représentants d'associations ici présents aujourd'hui? Alors, quels sont les délégués, les représentants d'associations comme toi, le président d'associations comme toi, Didier Brantan? Combien y a-t-il d'associations, représentants d'associations, de présidents d'associations présents ici aujourd'hui? Dans toutes les décisions et tous les votes faits, que les sourds aveugles et les sourds uchères soient associés. N'attendez pas qu'on vous fasse la demande, mais il est important qu'on travaille tous dans le même sens et qu'on soit solidaires. Merci à vous. Et merci également d'utiliser ce drapeau et de présenter ce drapeau qui représente la communauté sourde. Merci à vous pour votre soutien. Merci à tous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Un grand merci à vous tous. Un grand merci pour ce travail ensemble, pour cette avancée ensemble en cette manifestation. Et le président de Sourds en Colère te remercie également pour ce drapeau. De la colère, vous rencontrez de la colère, des frustrations, notamment à la télévision pour l'incrustation, la place de l'interprète dans l'image, le sous-titrage qui n'est pas toujours de qualité. Les interruptions d'image lorsque l'interprète apparaît et parfois disparaît à l'image, et on voudrait que l'interprète puisse, on voudrait avoir le choix, pouvoir choisir le fait d'avoir ou non un interprète à l'image et d'une taille correcte et qu'il puisse, comme on le fait déjà pour le sous-titrage. Bonjour à tous, je me présente, je suis sourde aveugle. J'ai récemment créé l'association RNSA, R
ressources, réseau national, sourds aveugles. RNSA. Qui rassemble des personnes sourdes avec différents problèmes visuels, des personnes sourdes du Cher, des personnes sourdes aveugles. Et nous avons choisi de les rassembler au sein de ce réseau et de nous battre comme vous pour l'accessibilité, la création de et être présent lors de ces réunions de militants, lors de ces manifestations. En fait, ce réseau est là pour montrer qu'on existe nous aussi, qu'on est présent dans la communauté sourde. Et on espère que les choses, grâce à notre association, les choses vont pouvoir s'améliorer pour nous. On va avoir une meilleure écoute. Notre intérêt et notre envie, c'est de pouvoir échanger avec vous tous, citoyens sourds. Et nous sommes ouverts à l'écoute et aux échanges. Et nous sommes prêts à vous accueillir si vous avez des questions. Écoutez mon discours, nous sommes un groupe qui vient de Caen, nous sommes 11 personnes à avoir fait le déplacement depuis Caen. Je suis maman d'une jeune femme sourde, j'ai 3 petits-enfants. Les 2 premiers sont entendants, le petit dernier est sourd également. Il est actuellement à l'école maternelle, mais on ne lui propose pas de langue des signes tous les jours dans sa classe. Il passe ses journées à s'ennuyer en classe. Et ça nous rend très tristes avec ma fille. Et la seule solution que nous avons trouvée, c'était de nous battre pour lui améliorer son quotidien. L'année dernière, en mai dernier, à Caen, nous avons eu beaucoup de mal et il y a eu beaucoup de soucis au niveau de son intégration scolaire parce qu'il ne s'entendait pas avec les autres enfants. Il était très mal intégré dans l'école. Et nous avons donc porté plainte auprès du tribunal et nous avons gagné. Nous avons, l'avocat nous a fait savoir que nous étions dans notre raison et que nous pouvions continuer à faire en sorte que mon petit-fils soit accueilli dans cette école. Et les académies de la région et l'éducation nationale. Nous avons réussi donc dans l'académie de Caen à convaincre l'académie à accueillir mon petit-fils. Donc voilà, c'était pour vous faire savoir que grâce au combat de ma fille, nous avions réussi à être écoutés par l'académie de Caen et le ministère de l'éducation nationale. Il faut vous battre pour essayer de faire en sorte que la même chose puisse se produire dans les autres académies, que les autres académies de toute la France puissent accueillir des enfants sourds. Aujourd'hui, il a de la langue des signes tous les jours et pour nous c'est un soulagement et pour lui également. On est encore inquiet pour son entrée au CP, mais on continue à se battre. Mais je pense qu'il faut dans toute la France suivre cet exemple. Et vous battre aussi pour vos enfants sourds. Je voulais vous dire que le responsable de la sécurité avec la fédération OSS 2017, nous a refusé l'entrée, mais nous avons remis un petit papier que nous avions aujourd'hui. Donc nous avons remis ce petit papier, le responsable de la sécurité est allé dans les locaux, et puis il est revenu et il nous a dit que il fallait attendre qu'on l'appelle pour savoir si on pouvait se présenter ou pas, et donc on serait 4 maximum à pouvoir rentrer en croisant les doigts.